tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des résultats de NXT et enfin du mercato de la WWE. Allez, place maintenant à NXT où je vous rappelle bien sûr que pour le main event, le titre de NXT est en jeu. Adrian Neville faisait face à Tyson Kidd, mais avant cela, plusieurs matchs ont eu lieu. Un match à 6 entre Bayley, Emma et Paige face au BFF Charlotte, Sasha Banks et Summer Rae. Et victoire d'Emma, Bayley et de Paige, c'est une mauvaise compréhension dans les BFF, permettant ainsi à Bayley de river les épaules au sol de la championne de NXT. En parlant de Paige d'ailleurs, selon le Wrestling House of Us Newsletters, Vince McMahon ne serait pas très content de trois rookies de NXT, Paige, Adam Rose et Bo Dallas. Après, si Vince était content de ces jeunes rookies, ça serait. Après cela, Colin Cassidy a affronté Marcus Lewis et victoire de Colin Cassidy. A noter qu'il était accompagné de Sylvester L'Enfant. Après cela, Sami Zayn a affronté Mister NXT, un lutteur masqué. Et après une victoire, Sami Zayn a réussi à retirer le masque pour savoir que c'était Bo Dallas. Et finalement, la police mettra dehors l'ancien champion de NXT. Et donc, pour le titre de NXT, Adrian Neville faisait face à Tyson Kidd et victoire d'Adrian Neville est donc toujours champion de NXT et le show s'est terminé ainsi. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir depuis quelques semaines, eh bien, le comportement de Tyson Kidd est étrange depuis sa défaite à TakeOver et c'est normal, selon Dave Messlers, tout cela aurait un but, amener des conflits dans le couple Kidd Natalia par les défaites sur le ring. La WWE avait à la base voulu lui mettre un masque mais s'est rétracté car tout le monde aurait sans doute deviné qu'il aurait était derrière le fameux masque. Pour continuer avec NXT, Becky Lynch, Rebecca Knox, a fait ses débuts il y a quelques semaines dans un house show aux côtés de Bayley. Du côté de Veronica Lane, il se dit qu'elle débuterait avec une gimmick de participante de concours de beauté. Et sur le Wrestling Observers, la WWE surveillerait les performances de Baron Corbin. Ne vous étonnez pas donc s'il y a une promotion dans les prochains mois. Allez, place maintenant au mercato de la WWE. On commence déjà avec l'arrivée de la WWE. Il y a eu pas mal de spéculations par rapport à lui, mais ça y est, c'est officiel. Ceux qui suivent la lutte au Japon le connaissent parfaitement. Prince Devitt a signé un contrat avec la WWE et devrait donc débuter dans les prochains mois. On ignore s'il passera par la case NXT ou non. Prince Devitt est un lutteur irlandais qui a surtout fait sa carrière à la New Japan Pro Wrestling, où il a été plusieurs fois champion. Et enfin maintenant, au tour des départs, ou plutôt des renvois, la WWE vient de licencier 11 superstars et divas de la fédération. Et les nominés sont Drew McIntyre, Jinder Mahal, Aksana, Kurt Hawkins, Theodore Long, Camacho, Brodus Clay, Evan Bourne et enfin Yoshitatsu. Si c'est pour certains, c'est pas vraiment une surprise, comme Kurt Hawkins et Yoshitatsu, voire même Evan Bourne, quand on sait qu'il n'arrive pas vraiment à se remettre d'une blessure. Theodore Long lui aussi était pas vraiment une surprise, il avait disparu après une storyline avec Booker T. D'autres le sont, comme Drew McIntyre, Jinder Mahal brisant les FUMB, d'ailleurs ça sera la dernière fois qu'on verra les FUMB à WWE SmackDown, ou Camacho à NXT, mais ne soyez pas trop tristes pour eux, certains comme Brodus Clay pourraient déjà rebondir ailleurs, et je précise, mais ai-je besoin de le préciser, que ces renvois sont bien réels contrairement à celles de Brie Bella. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve donc en début de semaine, lundi, pour les résultats de WWE SmackDown, et c'est mon animo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.